passer à compter les saisons, bons et tous les étés, bien plus que de raison. Le soir au coin du feu, je regarde tomber la neige. Je sombre dans le grand bleu, je me sens pris au piège. À la télévision, toujours les mêmes images. Quelque chose ne tourne pas rond, il y a comme un blocage. Attendre des jours meilleurs, ou bien la fin du monde. Question d'année ou d'heure, de quelques secondes. On reste tous assis là à regarder les trains qui passent, en espérant qu'on pourra monter en première classe. Y'a ceux qui restent à quai qui n'ont plus que leur joue pour pleurer. J'ai plus envie d'attendre. Alors pareil, celle-là je l'avais écrite pour l'album précédent. Je l'avais pas mise dessus, l'arrangement était pas mal. Alors c'est un blues, je précise, parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on mette un blues. Parce que... non mais en fait on adore le blues, mais je sais pas si on est totalement taillé pour faire du blues pur, c'est pas notre truc. Donc je pense qu'on est meilleur dans le folk, dans la country, dans le rock, dans le blues, dans tout ça, enfin, dans cette espèce de mélange. Et l'arrangement initial était pas mal, j'avais foutu de la guitare électrique, j'ai mis des trucs, bon mais... quand c'est pas trois pattes un canard. Et on s'est dit, ou tu as dit, je sais plus, mais si on la faisait blues, classique, acoustique. Je pense que l'inspiration initiale, ça venait du fait que c'est une chanson que tu avais enregistrée et qu'on a pas mal joué en live. Oui, on l'a joué en live à deux guitares acoustiques, vrai, exact, oui, dans un arrangement assez Delta Blues, vraiment avec des questions-réponses, un peu Johnny Shines, Robert Johnson, etc. Et c'est une chanson qui faisait toujours un carton sur scène. Et on se disait, bah, cette chanson-là, elle marche, elle est bien. Alors c'est vrai qu'on a cherché la clé. Et à un moment donné, oui, on a trouvé cette façon de faire qui était assez inspirée d'un album que l'on adore tous les deux, encore de J.J. Cale, tiens c'est fou, mais de Shades. Oui, voilà, ouais. Une ambiance comme ça, très très feutrée, très lazy, aussi bien dans la façon de chanter que la façon de jouer la guitare. Et puis autre influence qu'on a voulu mettre dedans, enfin tu m'arrêtes quand tu veux, mais l'autre influence qu'on a voulu mettre dedans, c'était un album qu'on adore depuis toujours, de Lynyrd Skynyrd, l'album totalement acoustique, un vrai album acoustique de Lynyrd Skynyrd, qui s'appelle On Danger Spaces. Et c'est un album qu'on adore, où vraiment la guitare acoustique, pour sa plus belle expression, on entend le médiator crisser contre les cordes, et on voulait un peu cette impression-là, de guitare acoustique, mais vraiment captée de façon directe, comme ça. Alors, peut-être ajouter qu'à la batterie, c'est l'ami Olivier, quand même, qui joue de la batterie dessus, parce que c'est, sur les batteries, je précise juste que c'est pas toujours Olivier qui joue, il y a des programmations de batterie pour certains morceaux, et en tout cas, il joue sur ce morceau-là et d'autres, et je trouve que du coup, ça donne le côté un peu roots, comme ça, avec des solos où on se fait plaisir, et voilà, et je trouve que c'est... Je pense que les Radio Blues, nous programmons, c'est... Donc, j'ai plus envie d'attendre.